Ok. Donc on a débloqué un piolet qui nous permettra d'escalader les parois, ce qui va se révéler quand même vachement pratique. Du coup, petite démonstration. Donc voilà, hop. De là, on peut escalader. On note quand même que Lara, sa main gauche, c'est mieux qu'un piolet. Et hop, on peut carrément sauter et se raccrocher. Comme ça, ça va plus vite. Donc ok, alors notre objectif, c'est d'aller à la tour de contrôle, enfin la grande antenne, pour aller mettre l'émetteur, pour essayer d'appeler des renforts. On va passer par ici. Maintenant qu'on a le piolet, on peut escalader. Hop là. Allez. Bon, c'est pas très réaliste, physiquement parlant, mais on s'en fout. Ok. Ok, tombeau secret proche. Donc voilà, ça c'est une des petites particularités du jeu. On a en fait des tombeaux. En gros, qui nous permettent de gagner de l'XP, des petits objets. Donc ça, c'est pareil, c'est encore un des nombreux trucs à ramasser, les géocaches. C'est vraiment complet ce jeu, enfin au niveau de la collecte d'objets, il est assez fourni. Allez, on allume la torche. Et on va se faire le tombeau rapidement. En essayant de pas se paumer parce qu'on n'y voit pas grand chose. Apparemment, la sortie, c'est là-bas. Que je précise, je peux pas courir, hein, c'est normal. C'est quand même vachement beau, je sais que je l'ai beaucoup dit. Mais c'est beau. Ok. Ok, tombeau de l'Olympie. Donc là on a un feu, on va pas s'en servir pour l'instant. En général oui, quand on termine un tombeau, on a un point d'XP, enfin un point de compétence qui s'offre à nous. Ces silhouettes dorées. Ok. Les servantes de la reine solaire. On va essayer d'allumer notre torche si on peut déjà. On peut pas parce que là il y a la cascade. On va peut-être pouvoir si on saute en face. Hop là. Voilà. Ok. Oh, c'était limite. Oula, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, hop, on brûle toutes les saloperies qui pendent là. Ça va libérer un peu de poids. Ok. On va la laisser remonter. Je sais pas si on va pouvoir passer par ici. On va essayer de sauter là. Yes. Ok. Et on va pousser ça. Ah, ok. Bon. Maintenant, il va falloir juste aller très rapidement. Parce que la plateforme descend quand même. Et voilà. C'était assez simple, c'est le premier tombeau de toute façon. Ça a peut-être été construit en l'honneur de ses prêtresses. Oh, incroyable. Oh, ses bras qui tremblent. Ça me fera toujours marrer de l'avoir prendre un seul truc dans tout le bordel qu'il y a là-dedans. Mais bon. En même temps, elle se trimballe déjà un flingue, un arc et tout. You. Ok, donc on a gagné un point de compétence, on va aller le dépenser directement. Ah, on en a même deux. Heureusement okay. Que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. C'est bien pratique comme background. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénèrent-ils? Que veulent-ils? Que cherche-t-il? Ok. Ok, on peut toujours essayer de récupérer ça, ça sera toujours pratique pour l'XP. Et on améliorera notre arc plus tard. Pour l'instant, c'est pas la priorité. On va peut-être allumer la torche ici, au pire il y avait un autre feu là-bas. Ok. Alors. Donc, notre objectif c'est toujours d'aller à la grande antenne pour aller installer l'émetteur. Ah, carte mise à jour. Bon, on va regarder vite fait. Donc, voilà, on voit qu'on a tout débloqué. Donc, ça par exemple. On prendra ce qu'on trouvera. Et puis voilà. Pour des jeux. Par exemple, The Witcher, que je compte faire un de ces quatre, on prendra le temps de tout lire et tout. Parce que c'est vraiment des jeux qui posent une ambiance.
qui demande de prendre le temps de s'investir et tout. Là, Tomb Raider, bon, même s'il y a une histoire assez sympa, c'est quand même un jeu qui va vite, qui a beaucoup d'action et tout, et ce serait quand même dommage de gâcher un peu le rythme. Franchement, ce serait un peu dommage, ouais. Ok. Hop. Alors, si on saute ici, ça devrait le faire. Cette petite musique d'infiltration. Ok. Ils sont deux. Là, ils sont nombreux. Est-ce qu'on va essayer d'aller vite? Ah merde! Oh, genre, je lui ai calé un headshot! Le headshot trop violent! Oh merde! Saleté! Allez, viens, sors de ta cachette. C'est bon. Vous pouvez pas prendre les flèches. J'en reviens pas du headshot que j'ai calé à l'autre. C'était juste beaucoup trop stylé pour être fait exprès de toute façon. Alors. Mince. Aïe 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 aïe. Allez, grimpe. Je sais pas si on va pouvoir sauter là-dessus. Si. Ouh, ça va péter ça. Allez. On va allumer la torche vite fait. Pour récupérer ça. À moi. 672, on va peut-être pouvoir commencer à améliorer des trucs après. Ok, allez le jump. Ces effets météo qui sont vraiment magnifiques. Qui aident à poser l'ambiance du jeu quand même. On dirait que tout est contre Lara en fait. Waouh, 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 waouh. Non. Ah. Oh, je suis peut-être un peu limite là. Oh, ça passe. Ok. Lara, tu es là ? Reyes, trouvez le bunker. Tu as trouvé Sam ? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée ? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord, je te rappelle dès que je la trouve. Ok. Allez. Oh bordel, elle est là. Ils sont tous là, je veux dire. Je vous en prie ! Ne faites pas ça ! Dit-elle en leur calant des flèches. Oh, saleté. Ah, les putains non. Ils sont vraiment violents, par contre, c'est des snipers ces mecs là. Ah là 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 là, je vais mourir. Je les vois pas. Ah là là là, je voyais rien. On l'a eu. Le jeu est chaud en hein, difficile. Franchement, les ennemis sont assez cons en fait. Mais une fois qu'ils vous repèrent, ils sont vraiment pas mauvais quoi. Allez, on va essayer de tirer dans son truc là, non? C'est bon. Yes. Allez. Yes, c'est bon. Je crois qu'ils sont tous morts. Allez, on prend ce qu'il y a sur les cadavres. Looter, c'est quand même bien pratique dans tous les jeux, de toute façon, on vous le dira. Allez. On commence à avoir pas mal de matériaux, c'est pas dégueu. Ok, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi, pour être honnête. Ok, la tour radio, c'est ça, là, je pense, c'est ce qu'il y a au fond. Ah, encore le flashback time. Bah, c'est parti, alors. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas. Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Ouh, cramé, là. Elle est plus débrouillarde que toi. Oh, le moment de silence. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Le moment awkward. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écouteilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac,
Et cette chose arrive vers moi et commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Trop des ouf. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Eh, je disais pas de conneries quand je parlais alcoolique. Juste ancien alcoolique, au final. Ouf. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Coupez. Il va revenir? Je vais le chercher. L'archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je n'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Il est vraiment insupportable, ce mec. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. Ok, donc son père a l'air d'être un peu décédé. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. On est parti comme c'est pas vraiment le cas. C'est parti légèrement en couille. Ok, Lara. Ok. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. On va faire un petit tour vite fait, histoire d'acheter de l'équipement, s'il y a moyen. Alors, on va déjà améliorer l'arc. Donc la corde renforcée offre une cadence de tir plus rapide. Ça peut être bien plus de dégâts ou plus rapide. Donc on va prendre déjà la rapidité. Si on arrive à enchaîner les headshots déjà, les dégâts, on peut passer outre. Le pistolet, la précision et augmenter les dégâts. Ça, c'est bien aussi. Et hyper défense qui augmente les dégâts encore. Chargeur plus long. On va partir là-dessus aussi. Ok. Là déjà on n'est pas trop mal. Il y a de quoi faire normalement. On n'a plus qu'à reprendre notre chemin. Voilà, il y a une caisse. Et on est plein. Chut. Ils sont où ces enculés? Ok, il y a un projecteur déjà d'entrée de jeu. On l'éclate. Ok. Allez. Ah merde. On y était presque. Allez, hop là. Infiltration. C'est un cadavre. Ok, on va commencer à se faire gauler si on va pas plus vite. Oh, je crois qu'on les a tous eus. Magnifique. Mais j'ai comme l'impression qu'on les a pas tous eus au final. Alors... On va ramasser sur les cadavres. Et on va prendre des flèches. Non, on est au max. Ok, lui, on remarque, on va essayer de le prendre en sneaky. Hop là. Comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Oula, il y a un mec là-haut. J'ai l'impression... Non.
Le jeu met la pression quand même, on n'a pas forcément envie de se faire gauler par les gens. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon, au milieu du 19e siècle. D'accord, intéressant. Oh, y'a un mec ici. Ok. C'est bon, ça se passe. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Oh merde, on va se faire gauler. Ah merde, ça y est, on s'est fait capter. Oh putain de merde. Il va se cramer, lui. Allez, on jump. Je crois qu'on les a tous eus, vu la musique. Alors, modification d'armes disponible. Ok. On ira faire un tour au prochain feu. Même si je pense pas que pour l'instant on a grand chose de plus. Date des coordonnées. Non, c'est pas par là qu'il faut aller. Qui voulait qu'on les trouve. Ah, c'est ici. Un bunker. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Merde. Oh, j'ai oublié de prendre les munitions. Ok. Ça gèle. C'est vrai qu'elle doit pas être très chaude l'eau là. En un journal, bon, on va sûrement passer. Pour le pire, je suis au service. Bon, ça on peut le laisser, il a pas l'air très long. Quitte à être prisonnier de cette île, autant avoir le meilleur poste. Il m'appelle son premier Solari. Mathias est peut-être fou, mais il est intelligent et dangereux. Il sait des choses sur cette île. Je crois qu'il est notre seule chance de quitter cet endroit un jour. Mathias veille à nous satisfaire. Nous contrôlons les armes et la nourriture. Ce que les tempêtes nous apportent nous appartient et nous décidons du sort des nouveaux survivants. Ceux qui osent se rebeller sont tués. Nous sommes les maîtres de notre propre prison. D'accord. En gros, ils sont complètement fêlés et en plus, ils ont carte blanche pour faire n'importe quoi. Oula, ça c'est chaud par contre. On va éviter de passer par là. Le père Mathias. Ouais, donc en gros, c'est confirmé, Mathias était bel et bien un enfoiré. Alors. Ouais. Et ouais, c'était rempli d'essence. Donc là, on s'est fait gauler, alors autant y aller au flingue. C'est bon. D'accord. 11 scavenge, 11 scavenge. Il n'y a pas grand chose d'autre à récupérer ici pour l'instant. Petit trou là dans les escaliers qui doit bien flinguer le dos. Oh bordel. Non. Ah, c'est bon. Il met la pression le salaud. Ok. No one lives. Personne ne part. Ok, ça promet. En fait, ça, on va genre le jeter si on peut. Voilà, on en a pas besoin personne tout de suite. Ne part. Hop. Allez, on va ouvrir la vanne. Regardez le bourrin là qui pète la vitre. Bon, allez, on se casse parce que le gaz, ça va nous éclater la gueule sinon. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a du gaz? Bah, c'est bien connu, on fout le feu. On lui a démonté la gueule. Ah, ce cri de douleur. Salut. Comment tu vas? Oh la vache, on lui a mis vraiment trop cher par contre. Achète-moi. Pitié. J'ai toujours pitié des gens. T'es sûr de toi? Bon. Va en enfer. Ok. Lara, qu'on a plus grand chose à foutre de tuer des gens. D'expédition. Malgré la perte de deux cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques.
Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Parce que c'est bien connu, à peu près tout... Enfin, les nazis, ils ont à peu près cherché tous les trucs un peu occultes. Façon dans Indiana Jones, dans Uncharted, dans Tomb Raider. Oh, les fils de pute. Non. Oh, les... Non. Ok. Déjà, ça m'énerve. Déjà, on va se mettre un peu à égalité. Oh là. Oh la vache. Oh les enfoirés. Ok, là ça commence à appuyer sévèrement. Alors, on essaie de se bouger le cul. Voilà. Ouah. C'est bon. Déjà, on arrive à peu près à libérer de la place, on va dire. Putain, ils sont nombreux en plus. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu la pression là. Allez, 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 allez. Ah putain, ils sont chiants. Oh. Ah, ah. Putain, je suis retourné dans le feu. Dommage, ça se passait plutôt bien. Bordel de merde. C'était trop beau. On va se refaire niquer. Personne ne m'allume. On peut les bousculer, d'accord. De toute façon, c'est ce que j'ai plus ou moins fait tout à l'heure. Non, tu te casses de là. Ok, ouais. Ils sont où les autres? Il y en a un là. Voilà, il fout le feu. C'est pas plus mal. En fait, on aurait peut-être pas dû faire le fou comme on a fait tout à l'heure. Ça se passait plutôt bien ici. Oh là là, le massacre. Nickel. Okay. Oh la vache, on a fait le plein. C'est juste super. On va se bouger le cul de se barrer de là parce que ça craint. On remarque qu'il y a une caisse à ramasser ici. Le père Mathias nous libérera. De quoi? De cette île? Évidemment, le père Mathias, c'est un sacré taré. Non. Tu me touches pas. Voilà. Ah, les cris de douleur. Ok, c'est bon, je crois qu'on a trouvé le panneau de commande. Évidemment, il est cassé. Alex, tu es là? Oui. La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Cela dit en passant, la logique des couleurs dans les sous-titres, je la capte pas tout le temps. Ok. Ça a l'air plutôt faisable. Lara, elle est en blanc, mais alors des fois, les autres, ça change tout le temps. Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre, tout en haut. Évidemment. Encore de l'escalade. Génial. La déprime. Ok. Bon, bah, y a plus qu'à, hein. Allons escalader cette tour. Aïe aïe aïe. Oh, ça va être chaud cette histoire. Oh, dans le dos. Regardez les détails des mains où elles se positionnent, c'est juste hyper bien fait. J'espère que ça marchera plus que ça. Le fait qu'elle pose ses mains comme ça. Oh, hey. Ok, bon, bah, on va y aller comme ça au pire. Allez. Allez. Oh, la sensation que ça doit faire. Passer du chaud au froid comme ça. Waouh.
C'est pas normal.